Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Béni soit notre Seigneur Jésus-Christ, béni soit la Vierge Marie, notre chère maman. Aujourd'hui, l'Église fête une grande sainte qui fut tuée dans un camp de concentration, sœur Teresa Benedicta de la Croix. De son nom civil, elle s'appelait Edith Stein. Elle était juive. Voilà pourquoi elle fut persécutée jusque dans, derrière les murs du Carmel. Mais elle avait converti, elle avait trouvé la foi catholique. Elle avait un grand amour pour Jésus dans l'Eucharistie. Voilà pourquoi je partage avec vous une de ses grandes prières par rapport à l'Eucharistie. Et cette prière va nous aider à approfondir notre relation avec Jésus dans l'adoration. Elle prie, « Toi, Jésus, plein d'amour, tu me regardes et ton regard rencontre mon regard. Tu penches ton oreille vers mes paroles douces. Tu remplis mon cœur avec la paix. Mais mon amour n'est pas encore satisfait par cet échange qui laisse encore de la séparation. Mon cœur désire davantage. Ton corps, il transperce, il traverse mystérieusement le mien. Et ton âme s'unit à la mienne, je ne suis plus ce que j'étais une fois. Tu viens et tu pars, mais reste la semence qui a été semée pour la gloire future, cachée dans ce corps de poussière. Que par l'intercession de Sainte Thérèse, Benedicta Cruz, Edith Stein, notre relation avec Jésus puisse s'approfondir dans l'Eucharistie, dans l'adoration de l'Eucharistie, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. À nous tous, une bonne, une sainte journée.